Parce que moi, le vélo neutralisé tout un peloton, bon, c'est ce qui va se passer l'année prochaine avec Cavendish. Hein. Neutraliser un peloton, tout ça, c'est pas forcément dans le domaine où je m'éclate le mieux. Moi, je fais du vélo, c'est pour me faire mal à la couenne, on dit. J'aimerais bien un jour le faire. En tout cas, c'est le seul grand tour que j'ai pas fait, c'est le seul grand tour où j'ai pas eu le maillot de leader. Forcément, j'étais pas au départ, déjà. C'est une logique. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'y pense. Mais ça pourrait être cette année? Tu souhaiterais que ça soit cette année? Ouais, pourquoi pas. Je vais leur dire en tout cas mon souhait. Et tu ferais le tour quand même. Ouais, je veux dire, ça va gêner. Le tour, c'est encore autre chose. Ouais. Tu sais, après, arrivé à un âge, peut-être que le tour, je le ferai plus. Hein. Il y a deux classiques qui sortent du lot, c'est Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ma plus grosse désillusion, c'est cette année, c'est sur Paris-Roubaix. Parce que, encore une chance, il faut avoir la chance, il faut être très fort, mais la chance, ça fait deux Paris-Roubaix que je l'ai pas, sur crevaison. Et cette année, y a Tom qui a gagné, mais là où il attaque, c'est là où je crève. C'est ça. C'est fini après. Parce que quand tu as des gaillards comme ça qui mettent en route, c'est fini. Alors que j'avais des super sensations, je fais la tranchée d'Arenberg en tête, lui dans la roue. Et on pouvait sortir à 3, ça c'est sûr. J'ai pas envie de juger la personne parce que c'est son choix. On a tous des chemins qu'on doit prendre. Et puis voilà, il y en a, ils font des sorties de route, c'est comme en voiture. Et puis il y en a qui restent dans la lignée. Et j'ai une grande fierté parce que j'ai réussi à passer à faire des résultats sans faire n'importe quoi. Après, le dopage, il y en aura toujours. On voit que ça, depuis 2-3 ans, on va dire, ça a changé quand même. On voit que les mecs, ils s'écrasent un peu plus. Et puis, on se rend compte tout de suite, le mec, si c'est normal ou pas normal. Je suis un petit peu, mais je trouve pas terrible. Oui. Non, je le trouve complètement. Après, je veux pas casser le département ou la région, mais déjà, on profite pas assez de l'image d'un professionnel, donc je vais parler de moi, pour attirer les jeunes. En début de carrière, je disais 33 ans, Voilà. là j'y suis, mais je ne me vois pas arrêter maintenant. Ouais. La deuxième barrière, on va dire, c'est 37 ans. Oui. C'est-à-dire 2016-2017, Pourquoi? maximum. Pourquoi? J'ai pas envie de faire du vélo jusqu'à 40 ans. Mais pourquoi 33 à 37? Parce que j'ai remarqué depuis 3 ans que je suis en pleine bourre en fait, et que ça s'est décalé. Dans tous les résultats que tu vois, ça s'est décalé au niveau de la moyenne d'âge. Rester dans mon petit département, la Vienne. C'est vrai? Ah ouais, je pense pas que je vais vouloir chercher à partir à tout prix. Parce que moi, je me plais énormément chez moi. Donc je vais pas chercher à refaire ma valise et puis partir régulièrement.